Yeah, bon, j'espère que vous allez bien. On est en 2019. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite de bonnes choses pour cette année, Inch'Allah. Et qu'on nique des mères. Voilà, qu'on nique des mères. On se retrouve avec une vidéo de qualité. Et j'avais joué à Saw 2 il y a un moment, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire le Saw 1, tu vois, juste pour une vidéo au moins et voir ce que ça donne. Difficulté normale ou dingue, wesh, normal. Qu'est-ce que tu me prends la tête, toi? Ouais, I wanna play a game. Donc, en fait, il y a des sous-titres, tu vois. Il y aura des bails de sous-titres parce que c'est en anglais. Ça me dégoûte. On kidnappe comme ça, là, sans prévenir. Frère, c'est la bonne année, enfin, c'est la nouvelle année. C'est le réveillon, comme ça, et tu me fais des bails comme ça, là. N'alibouk. Déjà que j'ai pas eu de cadeau pour Noël. Putain, ça me met un masque comme ça à la gueule. Ça, c'est un masque. Il s'ouvre comme ça, il te nique ta mâchoire et tout, tu vois. Bonjour, inspecteur, je sais pas quoi. Je veux jouer à un jeu. Votre désir de m'attraper a détruit votre vie et celle d'autres personnes. En épuisant toutes les ressources possibles, vous avez sacrifié des vies à la recherche de la vérité. Vous avez perdu votre famille, votre badge et même la vie de votre partenaire, inspecteur Singh. Et il savait pas bien chanter, Singh, t'as compris. Vous y avez laissé votre santé, rongée par la balle qui vous a troué la poitrine. Mais vous avez tenu bon, hein. Nous allons voir si vous pouvez vaincre votre obsession. Vous vous souvenez évidemment de l'appareil attaché à votre mâchoire. C'est l'une des pièces à conviction de votre enquête. L'un des premiers nanas. Voici ce qui arrivera si vous perdez. Ah, donc il fait démonstration. Voilà, comme je dis, ça nique la gueule. Libérez-vous de l'appareil, poursuivez-moi ou restez assis ici à attendre qu'il vous tue. Ok, du coup, là, je dois tourner. Je dois tourner avec ma souris, non? Ok, on tourne, on tourne. On tourne, c'est bien. Les choses se passent à mort. Ok. Et ensuite. Ah, fallait que j'utilise la manette, je crois. Mais faut prévenir aussi, bande de bâtards, là-haut. Faut appuyer sur des touches. Voilà, c'est bien, j'appuie sur une touche là. Donc faut continuer et voir les couleurs en fait. Tac, par exemple. Ah putain, voilà. Y. Et là, oh. En haut, en bas. Oui. Lourd, ça c'est des vrais bails. Où es-tu? Tueur au puzzle, je ne veux pas jouer à ton jeu. Pas question. Oh. Je fais traduction des A aussi, tu vois. Ah quand même, le moteur graphique pouvait gérer des reflets dans le miroir. C'est déjà ça. On va essayer de continuer. Verrou. Qu'est-ce que j'en sais moi? Wesh, il faut trouver un code quelque part avant de continuer. Pas un petit truc là. Ah, peut-être c'est un truc là, voilà. C'est 4-3-1, normalement. Ou bien 1-3-4. Mais je dirais 4-3-1, tu vois, on va essayer. Pa, pa. Si c'est ça, c'est que je suis vraiment un pas beau gosse. Donc 1-3-4. D'accord, 1-3-4. Hein? Ah, peut-être qu'il fallait que je ferme les portes. Comme ça, et après je verrai les reflets correctement. Ah, bah oui. Il est pas si con que ça, ce con, au final, tu vois. Bah oui, Al-Hamir, c'est ça que je vois, 4-3-1 depuis le... Ah, me dis pas que c'est un 7. 4-3-7. Oh. Voilà, tellement moyen que ce soit ça, je vais me sentir con quand ça marche. Oh, putain de merde. Voilà, vous cassez les couilles à écrire des 7 sans la barre au milieu, tu vois. Parce que moi, je suis habitué... Wesh, les rats, commencez pas à me faire chier, là. J'ai un peu de débarquer ici. J'ai pas envie d'avoir des... Waouh. C'est un jeu. C'est un jeu, y a rien qui fait peur. À l'aide, ici, je suis enfermé. What the fuck, man? Ah, je vais rentrer, ça va se fermer. Quelle mise en scène. Mashallah. Merde, qu'est-ce que vous avez fait? Pour sortir de cette pièce, il faudra travailler en équipe. Activez le panneau pour ouvrir les deux portes. Inspecteur, tape. Vous devez trouver l'objet dans les toilettes pour débloquer le panneau. Les toilettes contiennent les objets laissés par les toxicomanes. Wesh, d'où t'appelles les gens comme ça, wesh, toxicomanes. Allez, inspecteur, fouillez les déchets des autres comme vous avez forcé les autres à fouiller les vôtres. Oh le bâtard. Si l'un de vous échoue, les bombes situées dans la pièce se déclenchent. Ah, lourd. Cherchez le fusible dans les toilettes avant de vous évanouir de douleur. Oh, ouais, c'est sale. Utilisez ensuite le fusible dans le compteur électrique. Putain, déjà que moi étant petit, j'avais peur de ouf. Des seringues, alors là. Ah! Nice! Attrape, ok, récupérez le fusible maintenant. Tu fous le fusible? C'est nice, non? Mais je l'ai libéré, c'est bon. Qu'est-ce que c'était facile? Appuyez sur le bouton. Allez, ouvre ta mère. En fait, c'est comme Fort Boyard, mais pour les bâtards. Vous êtes pieds nus, pas de chance, ça va te faire mal travers sur ce verre. Vous n'aurez pas mes chaussures. T'aurais pu me passer un peu ton 44 là, frère. Là, c'est un peu chiant, faut partir doucement de ouf. Pour l'instant, je suis le seul Renoir dans le jeu et je suis pieds nus. Ça commence vraiment mal, franchement. On va avoir des trucs qui vont nous faire peur. Quoi? Qui c'est qui court au loin? Qui c'est qui court au loin, bande d'enculés? Voilà, c'est 2019, je nique des merdes désormais, hein. Ouais, ah ouais. Ah ouais, mets-lui cher, c'est bien. Coup de genou dans la gueule. Ouah. Wesh, on voit des cochons. Ça me rappelle un truc. Dans Saw 2, il y avait déjà des bails comme ça, tu vois. Enfin.
En vérité, ça a commencé dans le saut 1, tu vois. Ils ont continué dans le saut 2. Enfin, c'est juste la logique, tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais les cochons, je les détestais, voilà. Hein. Truc de ouf, dossier. La construction de l'asile, j'en ai rien à foutre, frère. Voilà, qu'est-ce qui me casse les couilles. Breaky Hamid Breaky. Waouh. Il se passe des choses incroyables, là. Putain, arrêtez de refermer les portes comme ça, là. Au secours, aidez-moi. What? Mais pourquoi les gens ils me demandent de l'aide alors que je les connais à frère? Tap sera là bientôt, c'est la première victime de son obsession. Il devrait l'entendre, mais elle est droguée. Tap sait comment ça marche et ce qui arrivera s'il ne la libère pas. Attends, cachez la clé de sa cellule et nous verrons si l'inspecteur peut protéger ses témoins. Oh, wesh mon frérot. Mais c'est une escape game ton délire là. Ah, ça veut me taper à la batte de baseball. Désolé mon gars, ça fait partie du jeu. Faut pas m'en vouloir. Ah genre, rien de personnel, mais il fallait que je le fasse. Je vais te niquer au pied de biche, frère. Attends, j'ai un tuyau, frère. Voilà, j'ai un tuyau. Vas-y, viens. J'ai un tuyau, ta race. Viens, frérot. Pra pipou. Wesh. Mais doucement, frère. Mais là, il est en train de me niquer. Hein. Pas, ta race. Et encore un coup. Ta mère, la chienne. Il est tombé comme une merde, voilà. Non. Vous deviez me libérer. Si je le ramenais ici, le jeu est fini pour moi. Il va se faire ken. Bah. Il s'est fait spoil lui-même, il a dit. Le game, il est over. Poum, il est mort. C'est nul. Par contre, je dois recharger ma santé. Hein. Voilà, seringue de santé. Wesh, il se plante dans la nuque. Le mec, il s'en bat. C'est nul, frère. Voilà, il n'y a que dans les jeux et les films que tu peux voir un truc comme ça, frère. What the fuck, man? Yeah, boy! J'aime bien quand il fait noir. Ah, merde, je me suis niqué. Wesh, vous abusez un peu. On dirait vraiment il y avait de la peinture, ouais. Bon, c'est par où, là? Ah, peut-être que c'est par là. This one. Yeah, je crois que c'est bien cette porte-là. Ouais. Ah, une clé dans le torse carrément. Ah, c'est pas pratique comme rangement. Je veux dire, j'ai connu de meilleures cachettes pour des clés. Tu vois, tu vas mettre ça dans le torse, dans les poumons. Ah, est-ce qu'on peut dire qu'il a la clé de mon cœur? Tu vois, parce qu'il a mis genre près de la poitrine, tu vois, genre. Allez, quand même, c'était plutôt bien trouvé, je trouve. Hein. Il aurait pu au moins nous prévenir en se réveillant et vous dire, hey, salut frère, je t'ai mis une clé dans ton cœur. Ouais, je veux dire, bah, t'aurais pu me demander ou quand même, là. Et les gars, wesh. Waouh, mais j'ai jamais vu autant de barbelés de ma vie dans un jeu, frère. Voilà, 4 corps prêts à être découpés. Seul l'un dans deux vous permettra de continuer, mais la lame pourrait vous trahir. Choisissez judicieusement. Wesh, comment je fais, moi? Jim Omen. Ça, c'est les prénoms, t'as les gens. Arne Faulkner. Est-ce qu'on peut dire que dans la vie, il faut quand même un harnais de sécurité? Tom Robinson. Crusoe. Marvin Johnson. Là, j'ai pas de jeu de mots pour ça, frère. Faut pas abuser quand même. L'inspecteur Tap ne va pas tarder. Suivez mes ordres. Placez-le dans le bon corps, ce qui l'aidera à continuer. Préparez-vous si l'inspecteur fouille le mauvais. Eh, c'est des bâtards. Comment ça? Il y a un piège dans un décor ou quoi? C'est quoi ces bails-là? Ah, donc là, ça montre Omen. Voilà, ça, c'est le différent nom. Et c'est dans, en fait, Faulkner. Ah, dans Arne Faulkner, je crois. Donc le jeu de mots était vraiment judicieusement choisi de ma part. Voilà, c'est celui-là que je dois fouiller parce que c'est à l'intérieur qu'il y a la clé. Mais moi, je pensais que la clé, elle était en moi. Je ne comprends point. Allez, bismillah. On va fouiller ton corps, sale bâtard. Nice, ouais, c'est bien. Putain, on a chopé très rapidement. En plus, la clé, elle était en train de flotter, frère. On entend moins votre grande gueule. Oh, non, non, pas encore. J'ai déjà réussi votre test. Vous êtes bâtard. Mais vous n'avez pas appris votre leçon. Je suis désolé, d'accord? J'ai pas pu m'en empêcher. Vous auriez pu. Vous avez choisi de laisser votre dépendance avoir raison de vous. Ah ouais, je crois qu'elle a dû sauter à la drogue. Ah, c'est bon. Déverrouillé. Enfin. Salut, toi, ça va? Wesh. Mais y'a que des malades, là, ou quoi? Mais c'est normal aussi, frère. T'as vu comment il a traversé le truc? J'aurais pu y arriver tranquillement. Ouais, mais en fait, ça marche pas tout le temps. Des fois... Voilà, tu peux être déstabilisé par différentes choses, c'est normal. Pouvez-vous la sauver, inspecteur Tap? Bah, j'aimerais bien. Il y a un mec qui va dire... Voilà, putain de sa mère. L'inspecteur Tap sera bientôt là pour vous libérer. Il est plus rapide que je ne le pensais. Tap, le flic qui vous poursuit et qui m'a interrogé? Pourquoi? Il est là pour affronter son obsession à faire un choix. Enfin, et faire un choix, votre vie dépendra de sa décision. Là, c'est écrit l'obscurité, elle illumine aussi. Ah bon? Regarde, couteau, flingue, et là, pied de biche... Ciseaux. Ok, donc chaque truc que je peux ouvrir, ça pourrait péter à ma gueule. J'ai pas eu le temps de parler, wesh. Ok, déjà, un fusil pas placé ici. Ah. Est-ce que ça peut aider à... Waouh. Mais vous êtes des bâtards, vous.
Et ça dessine des bites qui sont... Mais regarde, là, ça fait des couilles. Après, ça fait une bite assez pliée. Enfin, c'est bizarre un peu comme truc. Ah, ça fait un flingue. On va ouvrir ça. Et on a trouvé le bail. Pourquoi ça fait un compte à rebours, là? Quoi? Ah, donc il fallait laisser exploser, en fait. Je crois qu'il y a un bâtard, là. Parce que depuis tout à l'heure, la musique, elle est excitée. Waouh. Waouh. Déjà, ça, là. Ça, c'est pas très rassurant, tu vois ou pas? Monsieur, vous aurez pas un 44 à vos pieds à me prêter, s'il vous plaît? Des Nike, de préférence. Parfois, le verrouillage d'une porte ne suffit pas pour empêcher les ennemis d'ouvrir une porte. Verrouiller, déplacer un objet lourd devant. Faut que je bouge ça, apparemment. Sinon, il va me niquer ma mère. Ouais. Mais attends, frérot. Comment je fais pour déplacer? Ouais, mais j'ai envie de le déplacer, frère! Ah ouais, il fallait d'abord que... Ouais, d'accord. Je te nique ta mère! Sans déverrouiller ou la verrouiller quoi que ce soit, t'emmerdes la chienne. Donc en fait, il aurait fallu que je ferme la porte comme ça. Et ensuite, j'aurais pu pousser ce truc-là. Ah, mais à quoi bon? Maintenant, il est mort. De toute façon, il est là en plus, ce con. Wesh! Sur le bureau se trouve le badge du partenaire que vous n'avez pas su protéger. Pratique, il va vous permettre de libérer le témoin que vous avez choisi de ne pas protéger. Vous vous souvenez d'elle, inspecteur? Où vous en êtes-vous débarrassé après l'avoir interrogé? Vous avez la clé de sa cellule, faites vite. Ou elle finira en hachis parmentier. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir sauver quelqu'un? Ah, d'accord. Bon, on va pouvoir peut-être aussi se péter, tu vois. Enfin, voilà, se péter vraiment au sens propre. Je dois ouvrir ce truc-là. Utiliser. Il y a un code quelque part ici. Il n'y a pas un queutru là? Non. On peut ouvrir la porte. Et on peut voir peut-être qu'il y a un code. Ah, fusible! Peut-être que ça va nous aider à voir un truc. Ah, voilà. 5, 7, 9. 5, 7, 9. C'est bon? Lourd! Ah! Putain, on a échappé à la mort. Faut le dire. Putain, encore un camé. Ah là, c'est un porc. C'était un khinzir. Pouvez-vous la sauver, inspecteur Tap? Je m'étais déjà retrouvé ici tout à l'heure, en fait. Derrière la porte. Ah, ok. Du coup, on va dire que c'est la porte finale, vraiment. Pour essayer de la sauver, essayer de... Arrêtez avec vos portes! Là, j'en ai marre de le dire, putain. Je n'ai rien dit au flic, rien du tout. Je le sais. Promis, je ne recommencerai pas la drogue. Les mutilations, c'est fini. Je le sais. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je n'ai rien à offrir. Offre ton cul, non? Votre vie. Ah ouais... Hey, y'a quelqu'un! Aidez-moi, pitié! Bah laisse-moi venir t'aider! Permets-le-moi! Ouais, je... C'est glauque, hein? Voilà, monte les rideaux, meuf! Je veux mieux voir ce corps de rêve, là! Bonjour, Amanda! Vous vous souvenez de moi? Je veux jouer à un jeu! Vous avez dit à votre ami flic que je vous avais sauvé, mais vous avez oublié votre leçon. La drogue et la douleur ont détruit votre corps. Wesh, il fait de la sensibilisation en tuant. Aujourd'hui, une aiguille va vous sauver la vie. Chacun de vous sera injecté différents poisons qui vous tueront peu à peu. L'appareil devant contient les antidotes à ces poisons. Les fioles rouges vont à gauche et les bleus à droite. Mais attention, si vous mélangez les antidotes, vous éprouverez un inconfort lors de notre dernier jeu. Vous avez dû prendre une vie. Aujourd'hui, votre vie dépend de quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, aïe. On inverse les rôles, salope. Voilà, c'est sale. Meuf, si je te donnais un peu de toxine. Un peu de toxine en ta race. Allez, ça fait pas de mal. Ah, je crois que je l'ai buté en vrai. Hein. Ah ouais. Je voulais pas. En fait, les bâtards, ils ont inversé les touches. Du coup, je crois que je l'ai tué sans le vouloir, vraiment. Ah, on est morts tous les deux, cas. C'est bien. Lourd. Ça, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Qui a dit que j'étais un bon sauveur, de toute façon? Ok, là, je crois un shot de bleu. Lourd. Putain, ça m'a pris du temps, en vérité. Hein. C'était un peu chiant. Un peu chiant, cette merde. Maintenant, on fait quoi, meuf? Bon, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, putain de like, putain de commentaire. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse une suite. Dans tous les cas, prenez soin de vous sur une vidéo. Peace! Miaou, miaou, miaou.